numéro inédit de Secrets d'Histoire, découvrez les écuries de Bourbon-la-Concoyeur. Merveille de l'histoire de France, les écuries construites du siècle dernier vous dévoileront tous leurs secrets. Allons voir dans un recoin du manoir le petit ultra-sable bourrin de Marie-Antoinette. Regardez ce petit étalon, petit par la taille mais grand par la fougue. Comme Marie-Antoinette aimait le dire, pinoigne-moi le trou de balle, ça me va bien. Allez, sur ça je vous quitte. Vas-y. Tu me poses une question. Que pensez-vous de centre équestre les années cavalières? Oh bah très bonne ambiance, très bon résultat. C'est l'un des meilleurs sur la côte. Ouais. Et je pense que tout le monde doit venir ici pour monter. Parce qu'on a d'excellents chevaux. Iris. Voilà, par exemple. Un exemple. Ils ont énormément de potentiel ici. Ouais. Jackson, un autre exemple. Et nous, en fait, on est des stars d'ici. En fait, tout le monde veut nous ressembler. Ouais. Je comprends pas trop pourquoi. Que ce soit physiquement ou mentalement ou autre chose. Quoi. Ok. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up. Alors, chers visionneurs, aujourd'hui, on va vous parler les girls, du poney Akechi. Là, c'est Eva, c'est trop une de mes copines. C'est la raclure du club. Parle-nous de ton cheval, Eva. Moi, c'est mon cheval, c'est un gros thug. Il est tout le temps posé avec ses potes tranquilles. On monte, boudoum. Nous sommes perdus ici, regarde. Il y a une piscine là-bas. On va aller à la piscine, tant pis. Oh, il y a des temps. On va à fond. Yo, les copines. Eh oh. Eva Primard et Violette Pitini. Merci.